écoute, salut à tous, nous sommes toujours à Ivoire Golf Club, nous avons notre invité. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Votre nom c'est Monsieur Kounan. Monsieur Kounan. Monsieur Kounan, pouvez-vous me donner la différence entre a priori et a posteriori? A priori et a posteriori. A posteriori. Non, a posteriori. A posteriori. Riori. A posteriori. Ouais, c'est ça. A priori, c'est quelque chose. Bon, c'est. On prend le cas d'une idée. A priori, c'est une idée qui a des mises. C'est-à-dire, c'est une idée qui prime sur toutes les idées. Mais a posteriori. A posteriori. Non, a posteriori. Franchement. A posteriori. Franchement, je ne connais pas. Ok, j'ai entendu. Ok, pouvez-vous me dire qui a inventé le gaz carbonique? Le gaz carbonique? Ah, ça c'est purement chimiste. Purement chimiste. Ok, comment on appelle celui qui fait les pizzas? Celui qui fait des pizzas. Celui qui fait des pizzas. Je vois pas. Celui qui fait les pizzas, comment on l'appelle? Je vois pas. Faudrait pas qu'ils disent une bêtise, mais je vois pas. Vous voyez pas? Je vois pas. Ok. Pouvez-vous m'expliquer l'expression kainka? Quoi? Kainka. L'expression kainka. Kainka. Dans un cas ou bien un cas parmi d'autres cas. C'est comme ça que vous comprenez la chose? Justement. Ok, il n'y a pas de souci. Pouvez-vous me donner l'orthographe de hypocoristique? Hypocoristique. Je pense que c'est H-Y-P-O choristique C-O-C-R-I-S-T-I-Q-U-E. U-E, ok. Il y a un souci. Je vais vous donner de passer la copie. Ok, tirez un bout de papier. Comment l'as-tu fait? Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Ok, est-ce que vous nous expliquer un peu ce proverbe là? Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Bon, il y a un langage qui dit Dieu connaît bagage chez lourd. C'est Bella qui fait exprès. Ça dit quoi? Quand il y a un travail, quand bon, je parle dans le cadre de l'entreprise, quand ton supérieur te donne des tâches à effectuer, que tu sais que tu peux vraiment les effectuer, là il n'y a pas de souci. Mais quand il te force, faut t'attendre à des conséquences. Je pense que c'est dans ce contexte que ce mot-là est mis. Ok, restez connectés, c'était le sujet là.